Salut! Aujourd'hui, dans Agent Rencontre, je vais vous faire la démonstration d'essai de ceci. Ceci est une Flat Chinese. Flat Chinese, n'est-ce pas, de chez Sabian. 20 pouces de diamètre. D'habitude, les Chinese. China, si vous préférez, China, ont le dôme beaucoup plus plat, beaucoup plus haut, celle-ci, et puis le rebord beaucoup plus prononcé, le rebord plat. Okay. Comme on le sait, peut-être vous ne le savez pas, moi je le sais, Billy Cobham, grand batteur, hein, un des maîtres batteurs, que je considère vraiment comme un maître, a beaucoup contribué à la popularisation de la China dans les années 70. Parce qu'il utilisait donc des China et il les utilisait aussi en ride. Pas que. D'accord. C'est. Voilà, c'est une cymbale assez particulière, en général assez courte. Mais celle-ci, du fait d'être plate comme ça, est assez longue dans son sustain. Et puis elle est assez fine. Donc je m'en sers pas pour les trucs violents, pour éviter de la casser. Et on peut faire beaucoup de choses avec, notamment faire des vagues. C'est beau, c'est mystérieux. Et faire ça. Elle part direct. Très très agréable. Et sinon, en ride, ça donne ça. La particularité d'une China, c'est que la plupart du temps, les gens les jouent comme ça. Comme ça, ils peuvent frapper sur le bord plat. Ça fait 20 pouces de diamètre, ou 51 cm si on le fait à la française, enfin à l'européenne, métrique. Ben rien d'autre à dire, à part que c'est magnifique, éventuellement vous pouvez en faire un chapeau chinois. Oh, peut-être très bien comme ça mal. Alors à bientôt dans un jour à vous pour de nouvelles aventures cymbalières et percussives.